Sup les gars, c'est votre Blacky back d'une vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'MHD. Bon, vous savez déjà l'histoire qu'il y a sur MHD, donc je ne vais pas encore reparler de ça. Et la news que je vais vous sortir, elle date un peu d'une semaine, mais bon, je tenais quand même à vous le dire. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, donc une pétition a été lancée pour faire sortir MHD de prison en attendant son jugement parce qu'il n'y a toujours pas de preuve comme quoi qu'il est lié à cette histoire. Donc, il est toujours détenu. Alors que voilà, il n'y a pas de preuve contre lui. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette pétition qui a été lancée et il y a une lettre qui a été adressée à la ministre de la Justice. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre. À ce jour, il n'y a aucune preuve de son implication. Il est toujours maintenu en détention provisoire et malgré cette absence de preuves, toute demande de mise en liberté a été rejetée. Nous avons besoin de votre soutien pour qu'on lui accorde ne serait-ce qu'une libération sous caution pendant que les investigations suivent leur cours. En gros, de libérer MHD jusqu'à ce qu'il trouve des preuves, jusqu'à ce qu'il y ait le jugement. Il y a déjà 2300 signatures et l'auteur espère avoir 500 000. 500 000 signatures, c'est quand même énorme. Bon, 2300, on est déjà loin du compte, hein. En plus, MHD n'a pas pu faire son concert à l'Arena de Paris-Bercy, donc c'est pas un petit concert, on parle d'un grand concert. Et ça, je pense que vous le savez, ceux qui suivent beaucoup MHD, vous savez qu'il avait l'intention d'arrêter la musique après son dernier projet. Donc, je vais vous dire les phrases qu'il avait dit dans son snap. Plus envie de rien, plus envie de musique. Je pense bien arrêter après cet album. Cette vie n'est pas la mienne. Rien de stratégique, pas là pour un coup de marketing. Je parle avec le cœur. Personne ne peut savoir la face cachée du succès. C'est un choix de vie et c'est très difficile de vivre comme ça. Mettre un terme à tout ça peut me faire le plus grand bien. Bref les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée qu'MHD soit remis en liberté en attendant qu'on trouve des preuves ou qu'il y ait son jugement ou bien il doit toujours rester en détention? Dis-moi ça dans les commentaires. N'oublie pas ton pouce bleu et à la prochaine les gars pour de prochaines vidéos. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. Ooh. On my dick, she Lego, Lego, never Lego. Yeah. Her mind stuck up on me, so I call the Velcro. Yeah. Need my dinero, yeah. Pendejo. Hit my metro, if it's about the peso, yeah. Like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the dickest. Then the bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. Yeah. I got a big gun, I need help with it. Yeah. To wet your babe up, Michael Phelps with it. Hell.